Ouais, bienvenue, on est de retour dans War Tales. C'est bien le nom du jeu. On est de retour dans War Tales. On va continuer, on est à Vertruz. On va continuer notre découverte de Vertruz. Donc on a pas vraiment fait grand chose la dernière fois. On est juste arrivé à la ville principale, donc Mareim. Donc la petite carte a disparu, les crônes ont disparu, drôle d'odeur, donc ça on l'a fait. On a quelques personnes à aller tuer. On peut revenir un peu en arrière, récupérer des objets de plus sur le vigneron là. Ouais, on peut faire ça à la limite. On peut faire ça. On est toujours complètement recherché par les gardes, c'est un peu hardcore mais... Oh, bonjour. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compo le page, tout ce qu'il y a. Quoi. C'est pas eux, hein. On est à 14 jours, je sais pas. On devrait récupérer des sangliers. Alors ça c'est pas des sangliers. Ça aussi c'est bien de faire des attaques surprises parce que du coup on a le choix. Du coup on a le choix de quitter ou pas. Eux, je crois qu'on peut aller leur parler, mais on va voir plus tard. C'est pas des sangliers. Ça avait la tête de sangliers, vite fait. Il y a plein de gardes sur la route, c'est ouf quand même. On est tellement recherchés. Jamais on va revenir en normal. Il va falloir. Ancienne série, il va falloir genre. On devrait acheter quelqu'un. Oh, je viens d'y penser. On devrait peut-être embaucher quelqu'un. Après dire que c'est lui. Que c'est sa faute à lui. Et du coup, il est envoyé en prison. Ouh, ça serait une bonne idée, ça. Bon, ça coûte un peu cher, mais... Mais ça serait pas mal. Non ? Ça serait une idée. Je trouve. Merde, je crois que c'était fini. Alors, on a du bois encore, évidemment. Alors, toi. Move along, mercenaries. Our sawmill has no need of your services. Ok, si tu le dis. Ah, are you mercenaries? Good. Very good. You should focus on the disease affecting the vines instead, mercenaries. Vous nous cachez quelque chose, vous, j'ai l'impression, non? Ouh, waouh! Pas mal ça. C'est rare. Hein. Alors, un gant en soie, une babiole, du vin. Non. Je l'avais même pas vu, le coffre, il était juste là. Yes, these machines aren't working. That's none of your business. Ouais, je crois qu'il y a un truc avec eux, ce sera pour plus tard. Merde, c'est quoi ça, des loups? Bonjour. We're looking for a woman named Sanka Bell. She owes our client a large sum of money. I hope for her sake she has enough to pay up. She's in so deep she'll be sold off as a slave. Hmm. Un stylet, c'est pas mal. Je crois que c'est en rapport avec les critiques. Je crois que c'est peut-être les dégâts critiques.
Ça c'est des... Ça c'est des sangliers par contre. Oh putain toi. Ah fais chier. On peut donner de la viande séchée pour les distraire. J'aime pas me faire attaquer par les animaux en premier parce que du coup... ils sont pas ensemble. Là on aura deux groupes sûrement. Bon, ça va, c'est pas... Ça va, ça va. Par contre, la boue m'embête. La boue en plein milieu m'embête. Non, fais voir un peu. Tu vas te mettre un peu en arrière. Ah, on gagne un point automatiquement. Avec ça, c'est la tente, ça. Ça, c'est la nouvelle tente. Très bien. Ow. Et ils sont niveau combien? 5? 4? Okay. Se mettre là. L'allée, je crois que on, elle aussi on peut l'utiliser enfin pour la manger, mais je crois que c'est plus haut niveau par contre l'allée. Donc ce sera pour plus tard. Oh attends, on va peut-être pouvoir faire un truc. Il nous en faudrait au moins deux, maximum trois serait bien. Parfait. Oh, t'es sans déconner. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça tape fort, hein. Capturer celui-là. Pas mal. Pourquoi je peux pas te capturer? Pourquoi je peux pas te capturer? Absolument.
C'est bizarre, des fois j'ai l'impression que je peux pas capturer, je comprends pas pourquoi. J'ai des cordes quand même, tu vas pas me dire que j'ai pas de cordes. C'est très bizarre. Très bizarre, je sais pas pourquoi. Bourreau. Très bien. Attends, fais voir un peu. Attends, on doit dormir de toute façon. Donc sanglier niveau 4. Ça. Donc pourquoi on n'a pas assez de cordes? Putain, c'est ça en plus. Oh la vache. Je devrais toujours avoir des cordes. Ouais. Ouais. C'est con parce que là on va dormir, lui il va devenir gras, les autres non. Enfin, on en prend d'autres. Non, enfin bref. On va lui augmenter la force. Ça, ça. 16 carcasses. On peut faire, c'est le soigner aussi à la limite. Comme ça, on pourra recréer des remèdes. Il y a le cheval aussi qui a monté de niveau. Alors, j'espère que Jack se paiera parmi nous. Je devrais peut-être aller lui parler et l'accueillir comme il se doit. Relation avec les compagnons proches, intégrer. Relation avec Jack, faire connaissance. On est en train de parler avec Jack. Ouais. Une graine, elle est cool. Ah là là. Institution. Durée de la course augmentée de 5%. Très bien. Quoi ça? C'est la garde, putain. La garde, elle peut pas se faire attaquer par ça. Avant, en early, quand il y avait des gens qui passaient dans le brouillard, ils mouraient automatiquement, ils mouraient instantanément. Je sais pas si ça a changé, ça. Non, de toute façon, le jour se lève. Ils ont de la chance. Là, on a un braconnier qui est acquéri. Ça va, vu qu'on a un peu monté de niveau, qu'on a un peu traîné tout ça. Et on, enfin, non, c'est, le truc c'est qu'on a fini Till Train à 100%. Donc, du coup, on est bien équipé et tout. Alors, 1, 2, sûrement 3, 4 là-dedans. Et après, on a ceux-là aussi. Donc, il y en a un là, sûrement. Ah non, là, ok. Miguet, on va te mettre là.
pouvait aller le chercher. Très bien. T'as riposte ? Oui. Par contre, tu fais un peu mal quand même. C'est un peu osé, on va peut-être pas faire ça tout le temps. Mais tu m'as défoncé mon armure. Ow. Tu m'as défoncé l'armure. Attends, on n'a pas de tank ici? Merde. Ouais, si, on a le droit. De ma part. Il va prendre cher. On a mal joué, j'espère que l'autre il va tenir. Ah ouais, aïe. Ah ouais, aïe. Ça fait mal. Cette attaque qu'il a là, il faudrait la changer. Faudrait la changer. Faudrait une lance spectre qu'on a là. Même si je fais ça, ça marche pas non plus. Ah si, putain. Vache. Ouais, non, c'est abusé le tir quand même. Tout le monde est mort, non? Ah non. Merde. Très bien. Ouais, il faut un peu mal. Faut faire attention. Mais ouais, faire une lance de spectre serait pas mal. Alors, critique plus 5%, lanceur de couteau empoisonné. Inflige dégâts si lui applique un de poison. Ah, mais c'est un couteau de lancer, c'est une main gauche. Intéressant.
honnête, je sais plus trop où je vais. Ça, c'est quoi ça? Poste frontier d'Arag. Ah, ça c'est pour une autre zone. Je crois. Are you planning to go to Ludern? I may have a mission for you. You'd need to free an innocent man from an unjust fate. You would be handsomely rewarded. Are you interested? Ça c'est les marécages. Arag. As you know, Alazarian commoners are forbidden from entering Harak. Despite our many warnings, one of our soldiers made the terrible mistake of crossing the border. His family is very worried and fears he might be dead, but our sources have given us hope. He is awaiting his trial at the Stone Court. Bring this man back to us. Ça marche. The toll applies to all kingdoms. I hope you have enough to pay up. I beg of you, let me pray in peace. I'm on my way to visit the village of Garusa. The Eye's protection will be most welcome. I'm waiting for the merchant to finish praying. I was told to go to the Vitrusian tracker camp, but I don't know how to get there. She should be able to help, don't you think? No. Ouais, non, là, c'est pas un endroit où on va aller. Mais c'est déjà là? Ah oui, oui, le marécage, c'est... Ouais, en fait, c'est plus là. Et la grande ville, c'est plus là-haut, en fait. D'accord. Prince Vertruse. De retour. Rien du tout. Ouais, Arag, on ira plus tard. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? Non, non, faut pas acheter. On est déjà. On veut faire des économies. Merde, je suis trop forcé. On va faire des économies. Le camp des esclaves. Je sais pas si le camp des... Il y a quelque chose avec le camp des esclaves ou pas, en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais pas. Donc on pourrait juste le combattre maintenant. Peut-être. Et ça pourrait bien se passer. Enfin, y a peut-être... on perd rien peut-être à le faire maintenant. Mais je suis pas sûr. En tout cas, il faut aussi qu'on... Parce qu'il y a lui qui mange. Il faut qu'on fasse sa mission. Ouais, on va se concentrer sur sa mission. J'avais un peu zappé, en fait. J'avais légèrement zappé sa merde. On est bon. Très bien. Récupérer notre argent. Might she be looking for what? Here is your reward. Très bien. Confession de rare, on va pas le faire maintenant. L'escouade de RS, fraternité 5 des groupes de jeunes recrues partis s'entraîner qui sont pas revenus. C'est un peu loin, non? Non, ça va, c'est dans les terres. Ça, c'est plutôt vers l'arrière. Je peux le prendre quand même. Ouais, ça va, il faut faire le tour, en fait. Donc, c'est bon, on est bon. Je crois qu'on est bon. I'm concerned about the vineyard disease. Ça, c'est la spécialité d'ici. Imagine if it spreads to all of Gothenburg. We'd have to drink beer. Voilà, vous allez devoir boire des bières. Oh non. Je vais pas regarder s'il y avait des bonnes recrues qui se baladent.
élevé par les sangliers. Ils ont de la volonté en plus si on les met à côté de sangliers. Allez, on va passer le pont en espérant que des merdes. Pas faire grand chose. Ça, on devrait le désosser peut-être. Putain, ils sont où là? Ils sont dans la forêt. Ah putain, ils sont vraiment dans la forêt en plus. Allez, vite qu'on passe. Très bien. On va inspecter ça. Les résidents font les offrandes au Saint Lénaïde. Pour ceux qui n'ont pas profité du commerce. Cool. Merci. Ah, on se gêne pas, nous. Hein. Nous, on croit en rien. On croit en l'argent. On croit en l'argent. C'est surtout ça. Alors, les vignobles de Johan Molen. Je crois qu'eux aussi, ils sont en train de crever. Oh, putain de toi. T'as commis aggro de super loin. Ils aggro de méga loin quand même, c'est un peu incroyable. Ah, c'est easy enough for broker old Marheim to say we should be patient. He's not the one who's about to lose it all. I won't stand idly by while my crops wither away. Those responsible must be punished. By the all-seeing eye, we will fight back. Grab your pitchforks. To the abbey, we'll knock the doors down. First off, we need to deal with the Brotherhood. These blasted mercenaries guard the abbey day and night. We could hire our own goons to dispatch them. If we all pitch in, we'll have enough to employ the best. Oh, on arrive au bon moment. Vitesse de déplacement dans le monde augmente de 10%. Fondu du trappeur. Fromage coulant côtoie gibier faisandé dans une préparation typique des montagnes d'Alazar. Ça, je connais pas ça. C'est nouveau, ça. Ah. C'est très bien. On a combien de... 4. Faudrait qu'on en fasse quelques-uns. Il nous faut tellement de métal à chaque fois. Faudrait acheter vraiment tout le métal qu'on voit. J'aime beaucoup les lieux en fait. Ils sont très jolis à chaque fois. Did you hear everything we said? Good. At least you know what you're getting yourselves into. Fighting the Brotherhood is not for the faint-hearted. Ouais, la fraternité, c'est les mecs en jaune là, ils sont costauds. Great. We shouldn't dally. Let's go. Ah! Let's go. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a rien d'autre. Bon. Alors... Soupçon de vol. La chose de soupçon se vide 10% plus rapidement. Je crois qu'on va prendre ça maintenant, parce que bon... Ouais, la jauge de soupçon se vide 10% plus rapidement. Parce que là, ça devient un peu relou. Alors, par contre, je dis pas non pour venir les chercher, mais nous, on a une autre quête, là, en ce moment. Alors, déjà, on va virer Tiltren. On n'a plus besoin de Tiltren. Luderne, c'est pas pour maintenant. Donc, l'apothicaire disparu.
Alors, découvrir où est passé les caisses de Marheim. Non, ça. Trouver le point de rendez-vous grâce à l'objet point de rendez-vous dans la, de l'apothicaire. Point de rendez-vous, fais voir. Ah. Point de rendez-vous de l'apothicaire. Je crois savoir où c'est. Je, si je me rappelle bien, c'est ça, c'est une embuscade. C'est près du lac. Putain, les mecs sont déjà partis. Parce que, en fait, je voudrais bien... finir avec ça, comme ça on arrête de nourrir le mec. Je crois que c'est en bas là, je crois que c'est là. Ok, d'accord, on l'a, je sais pas, je suis passé à travers. Je suis passé à travers. Faut faire attention à Jeg, hein, il a pas d'équipement. Et là, ils sont quand même vénères, les gens. À ce niveau, les ennemis développent des stratégies de combat plus poussées et spécialisées. Donc maintenant, ils ont sa soif de liberté. Déserteur, les unités gagnent galvanisation tant qu'elles sont adjacentes à au moins deux ennemis. Ouais, donc faut faire gaffe. Sont 9, 4, 5 là, ça marche. Ouais, Jeg. Jeg, on va te garder au centre. Merde, c'est des artificiers. On a combien d'artificiers? 2, ça marche. On va aller les tuer du coup. Alors, on fait voir. Merde. Ça va nous faire chier. Soit boosté, faut l'aura. Très bien. Parce que là, ils peuvent pas passer ça, en fait. Cochon, là, notre sanglier. Là. Ils ont deux haches. Taper les deux. Faire. Nickel. Fureur. Normalement, on devrait pouvoir le tuer. Il est pas engagé, c'est un peu le problème, mais... Voilà.
coup, on peut le refaire. Il faudrait que tout le monde soit engagé, en fait. C'est un peu chaud. De ce côté, ça va, on a gagné. Absolument aider ce côté-là. C'est bon. Très bien. Et on va faire ça, comme ça. Voilà. T'as pas tiré ? Je l'ai stoppé trop vite en fait, c'est ça? Peut-être. Pas mal. On va le faire bouger. Ah, ils sont chauds. Plein de petits couteaux. Pas mal. Tiens, boum, ta gueule. Ah là, ils nous font mal, hein. Ils nous font très mal. Jeg, tu vas pouvoir être intéressant. Voilà, tiens, bien joué, Jeg. Ah, le coup de mettre de la boue aussi, c'est bien. Lui, il va rien pouvoir faire, en fait. Ouh, la vache, t'as pris cher. La vache, t'as pris cher. Très bien. Non, on n'a pas fini encore. Voilà. Ah, c'est... Ah, ça devient violent, sympa.
partout. Alors, fais voir, parce qu'on a eu des trucs. On va devoir se reposer déjà. Alors, on a eu des armures. Alors, Jeg. Jeg, c'est du moyen qu'il faut. Ouais, déjà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ça, c'est meilleur aussi. Armure lourde. Nos tanks peuvent l'utiliser. Ça, c'est la même. Qui c'est d'autre qui a armure lourde? Toi, mais... tu vas perdre le critique et tu vas avoir de la vitesse en moins. Ça, c'est pas vraiment bien. On va faire lui donner plus de critiques aussi. Ça viendra. Là, on a quoi? C'est quoi du intermédiaire? Ah! Ah, c'est des dégâts critiques par contre. Je dis pas non en fait, dégâts critiques c'est pas mal. Ça c'est quoi? C'est intermédiaire niveau 2. Très bien. Toi, tu peux prendre quoi? Toi, t'es intermédiaire. Il y a du critique dessus? Non. Mais tu peux mettre deux pierres, par contre. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de renfort très intéressant, donc on s'en fout, honnêtement. Seul renfort qui est intéressant, c'est celui-là. Force et armure. Ouais, on peut le mettre. Okay. Poney. Ah, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. C'est vrai que les mecs sont vénères ici. Les mecs sont un tout petit peu vénères. Donc on va devoir ne pas faire les cons. L'autre toujours rester avec nous. Alors, augmente 2 le bonheur de la troupe. Ça, c'est quoi? Test de déplacement. Ok, très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Tac, tac. Très bien. On a 2 points aussi. Tiens, je pourrais. Flow de prime, orientation, flow de prime. On va voir en fait si on débloque des choses, mais je me rappelle plus vraiment. Cannibalisme, vous pouvez désormais dévorer les cadavres humains. Honnêtement, c'est pas mal. Ça pourrait nous faire économiser un peu de... Un peu de viande. Genre là, par exemple, on a juste tué des gens. Donc, on peut s'arrêter et les dévorer, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est comme les carcasses, ça fait 1. Ce qu'ils foutent là. Je voudrais bien les pêcher, bon. Oh putain, du
bon, bah, on ne pêchera pas. Attends, je voudrais... Oh mon dieu, il y a un truc à inspecter, j'y arrive pas. Allons pêcher. Ah, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. C'est encore le côté où on peut pas... Quatre brochets. On peut pas zoomer. C'est un peu embêtant. Ouais, non, la pêche est vraiment cool. Putain, je suis tellement content de la pêche. Je suis tellement content que la pêche soit améliorée comme ça. Vraiment sympa. Là, on a eu que 4 à chaque fois. C'est énorme. Alors, faut voir ça. Alors, un ancien camp de bandits a déjà été nettoyé par la fraternité. Oh, ok. Eux, on va les laisser tranquilles. Domaine de Windfell. Inspecter. Voulez-vous ajouter des fleurs à la couronne de la mariée? Donner des iris. Our wealth was built on this vineyard. My son is now studying at Gothenburg University, and my daughter is marrying a man of high social standing. Super intéressant. But the disease affecting our crop is a great concern. Could it be a bad omen? Should I postpone the wedding? Aucune idée. Voulez-vous ajouter votre part au banquet de la mariée? Du vin, de la viande séchée. Tiens, de la viande séchée. I can't wait for this wedding. It is customary to give slaves and servants a day's leave on such occasions. Shame this family only has 2 children. Est-ce qu'il y a d'autres choses à interagir par la femme? Are you here to congratulate my daughter? She's marrying into a good family, isn't she? We welcome all donations to her flower crown and the banquet. It'll bring you luck, you know. Ouais, l'influence. Là, on peut mettre des pitons. Non, on peut voir pitons. On peut en mettre un là. On peut en mettre un là. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de faire le tour. Ok, la carte. Je crois que c'est par là en fait. Le guet-apens là, avec le mec, je crois que c'est par ce côté. On va vous vendre tout ce qu'on a. Ouais, on vend tout ce qu'on a pour le moment. Quand on aura l'atelier en 2 étoiles, je détruirai ce qu'on récupère. L'équipement, si on est bon en argent. Comme j'ai dit, je veux quand même avoir beaucoup d'argent sur moi à cause de la garde qui nous poursuit. Il y a un ravageur. Ok. On va se les faire. On pourrait peut-être prendre le cannibalisme. Là. On va peut-être le prendre, parce qu'on va bientôt s'arrêter pour dormir. Ok, oui, ils ont pas de... Ah, c'est ça la fraternité, c'est eux. J'ai l'impression que leur armure a été refaite. Parce qu'ils étaient plus larges, ou alors ça dépend des classes, en fait. Je crois que c'était plus large avant. Un peu bof.
Ça, c'est mieux. Ça, je sais pas. Après, c'est peut-être mauvaise mémoire. Si l'attaque touche au moins 2 unités, applique fragilité. Yes. Essayer de bien. Là, il y a quoi? Il y a Arnus. Là, on a qui en tank? Au final, on n'a qu'un seul gros tank en fait. Après, c'est que des DPS. Enfin, si Léa la. Ouais, si Léa elle peut. Elle est là, Laura. Qu'est-ce que t'as, toi? Tenue de bouclier agressif, targe de la fraternité. Si cette unité a encore de l'armure, envoie 15% des dégâts subis à l'attaquant. What the f... Ok, c'est complètement nouveau ça. Complètement nouveau. Faudrait un lancier en fait. Mais mes lanciers ils sont un peu occupés. J'aurais dû peut-être mettre ralentissement à l'autre. Ok, très bien. Très bien. Tête en deux. Oups. Alors. Est-ce qu'on a...
J'ai mal placé mes gens en fait. Tarus. Ah, Tarus, tu devrais faire mal en fait. Ouais, là tu vas tuer tout le monde en fait. Hop. Ça c'est pas abusé, c'est bien. C'est pas du tout abusé. C'est bizarre, toi tu fais des bons critiques bien forts. Hein. Je sais pas comment tu te débrouilles, mais. Alors toi on peut te déplacer facilement. Fait combien? 61, pas mal. Les lanciers, c'est bien avec les archers, ça marche bien. J'espère que lui il va aller de ce côté là, ça serait sympa. Très bien. Ah, on a des bonnes personnes, ça commence, hein. Ça commence à être cool. Vache. Je sais pas, des fois c'est abusé en fait les dégâts. Ah, engagé, j'arrive plus à parler. Alors, on va faire... Il est où notre Tarus? Oh. Ouais, cette lance, hein. C'est très mal. C'est pour ça que je voudrais que Drakkar y récupère aussi cette lance. Je vois pas pourquoi je me fais chier avec lui. Hein. Parle plus. Je
crois que c'était 72. Ouais, putain. Oh la vache. Ah, oh, il va faire mal lui. Ah oui, là, j'avoue que là on commence à utiliser pas mal de d'équipement. Ouh, ça c'est cool. Dégâts critiques. C'est bon ça. C'est très très bon. Elle, je suis en train de me débattre si on la remet pas. En fait, il faudrait une bonne épée. Parce que j'ai vraiment envie peut-être de la remettre à une épée, un bouclier. Mais bon, c'est vrai qu'avec ça, bon, elle se débrouille bien. Mais des fois, j'ai un peu peur. Et lui, il faut absolument qu'on ait une meilleure arme. Hein, parce que là... En fait, il faudrait que je passe du temps. Ça, c'est quoi, frappe d'équipe? Les dégâts sont augmentés 50% pour chaque allié adjacent. Épée à une... Ah, c'est une épée à une main. 18-23. Ah ouais, mais bon, il faut que les gens soient adjacents. Là, c'est juste taillade, hein. C'est juste des dégâts en fait. Ouais, non, ça peut être pas mal. Faudra la changer de toute façon. Toi, tu peux... Dégâts critiques 6. T'as une armure lourde. Tu vas prendre ça. Oups. Prendre, ça coûte, ça pèse lourd par contre. C'est combien? C'est 10. Du coup, on va dormir. Alors j'avoue que, enfin, j'avais dit qu'on pourrait prendre le cannibalisme. C'est combien? C'est 1, je crois. Je crois que c'est 1. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est si on veut vraiment commencer à créer de l'équipement, il faudrait que j'aille farmer un peu et on débloque genre ça déjà, niveau 5, et qu'on soit tous avec ça peut-être. Enfin, je vais être honnête. Cure fantôme est doux et même la peau, mais elle a tendance à donner des cauchemars à son porteur. L'armure est super élevée, honnêtement. L'armure est méga élevée à comparer à ce qu'on a. Là, j'avoue que... Genre, l'armure lourde, on va prendre ça là. 27, garde 19, ok? C'est l'armure lourde. Ça, c'est quoi? 22 et 61. T'es sérieux, là? Ah, c'est chaud. Même les armes et tout. Ouais, non, mais si on veut passer à un meilleur... Ça, c'est niveau 8, donc on s'en fout. Si on veut passer à un meilleur moment, ouais, il faut absolument prendre ça, en fait. On prend le cannibalisme, du coup? Non, on va pas le prendre. On va pas le prendre. Là, ça serait... les armes. Après, le truc, c'est qu'elles ont rien de spécial, en fait. C'est ça la différence. Mais si elles ont des emplacements pour renfort, on peut mettre les renforts. Bon, du coup, ça, je crois qu'on va le virer. Oui, si elles ont... des emplacements pour renfort, on peut mettre genre critique, des trucs comme ça. Parce que là, à chaque fois, on a des choses un peu spéciales, genre dégâts critiques 9%, c'est pas de la merde. Dégâts critiques 6, là on a quoi?
Là, on a rien. Les armures lourdes, on n'a jamais de trucs très intéressants pour le moment. Là, on... là, on a critique 3. Bon, après, c'est des... J'ai envie de dire, c'est des détails. Hein. C'est pas... C'est pas énormissime. Honnêtement, ça me dérangerait pas d'enlever, genre, les critiques 1, 2, 3. Contre, genre, ce genre d'armure, quoi. Je vais les prendre maintenant, parce que sinon, je vais prendre autre chose après. Et après, il faudrait faire un autre arc, non. Une dague, non, parce qu'on en a deux comme ça. Il faudrait faire une lance, en plus. Et après, il faudrait aussi faire ça. On va devoir tout mettre en niveau 5 par rapport au craft. Ouais. Ouais, ouais, on va devoir faire... Et en plus, je sais même pas... Je pense que ça, c'est les stats de base. Nous, si je dis pas de bêtises, on l'a déjà pris. Alors, attendez, on a ça. Le craft, c'est dans quoi? Puissance et gloire. Statistiques des armes forgées augmentent de 10%. Ouais. Et après, on a ça aussi. Les armures forgées ont un emplacement de renfort d'armure supplémentaire. Donc on peut craft, on peut 100% faire du craft en fait là. Voilà. Ah, c'est limité à 10. Ça, je savais pas ça. Bon bah du coup on va... Parce que je pensais qu'à un moment on pouvait en brûler je sais pas combien d'un coup. Mais si c'est limité à 10, on va en brûler un peu plus souvent. Ok, très bien. Encore un peu, je vais me faire mon... un nom. Même la Légion voudra embaucher une gare comme moi. L'oratrice, l'oracric. Avec les compagnons proches, 260. Un point d'attribut. Ouh. Montrer, faire une démonstration de ses talents au groupe. On avait dit quoi, toi? Toi, t'es bûcheron, force écrite. Un peu plus de force. Plus t'as envie d'augmenter la force, donc j'ai envie de te dire tant mieux. Ouais. Might I interest you in my humble wares, my good sirs? On n'a pas trouvé de mine, rien pour le moment. Fais voir un peu à combien ils sont les... Oh, on peut les défoncer, je suis sûr. Ah, il y a beaucoup de trucs. Mais on peut les défoncer, je suis sûr. On va le faire à un moment ou à un autre. Ouais, je crois que tous les choses comme ça ont été un peu... sont un peu plus faciles maintenant. Ils ont de Vertrus, très bien. Ils sont un peu plus simples. Ah, attendez, parce qu'on a 1331. Ah, on a le nouveau. Respect de la... Non, c'est pas ça. C'est quoi qu'on a? Innocence feinte. Votre troupe est considérée comme n'étant pas recherchée. Si un délit est perpétré, l'effet de ce bonus est annulé. Ah. T'as-tu eu? Mais bon. Ça va pas nous remettre à zéro, hein. Au prochain repos, votre troupe se fait passer pour une troupe commune, plus difficilement détectable aux yeux de l'autorité locale. Ça, c'est super intéressant. Par contre, je voudrais faire un truc, c'est... ça réduit 25% la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ouais. On a un peu de trucs, là. Je voudrais que... Très bien. Un peu.
là et là pour aller plus vite. On pourra en mettre un ici aussi. Ok, très bien. Je sais qu'il y a des choses à récupérer, mais d'abord il faut aller à la prison. Je crois qu'il y a une histoire à la prison en fait. I just don't understand. We had 6 prisoners yesterday, and today there's only one left. The lock is intact, and the remaining scoundrel refuses to explain anything. We couldn't get him to talk, and believe me, we tortured him properly. Bien, ces gens. We reward anyone who brings in outlaws. As you can see, we've got room to spare. Le pilori. Le pilori. Et ça, c'est quoi? Friandise. Ça, c'est pour. Je crois que c'est pour appâter pour pouvoir capturer plus facilement les animaux. On va prendre les deux. Et on va prendre et les cordes. Tu veux voir les cordes? Ah là là, un peu, hein. Alors, chance de capturer un animal augmenté de 15%. Et le pilori. Compagnons assignés. Les prisonniers assignés ne peuvent pas s'enfuir pendant le repos. C'est bien ça. You can hire me if you want, but I won't rattle my friends. Peau dure, ronfleur et lâche. C'est con, c'est nul. Ah, un gros rocher. Allez, poussez-vous. Les super mercenaires vont faire le boulot à votre place. C'est un trou creusé dans le sol de la prison. Il fait trop sombre pour savoir où il mène. Descendre avec une corde. Ouais, ça c'est très très RPG aussi à chaque fois d'utiliser des objets comme ça. C'est super cool. Inspecter. Ouais, ça c'est la. En fait, nous on vient de descendre par la corde. I broke my leg while trying to escape the jail. And my accomplices left me behind. The gutless oafs. I'll tell you everything I know, if you give me some medicine. Ouais. We've been digging together for weeks. They said we were going to form a gang. And set up our lair in an abandoned sawmill voilà. Near the Tiltrum border. But when they saw my broken leg, they abandoned me without a second thought. Dispatch them or take them back to jail and let them rot there. I'd be most grateful. Alors, laisser la prisonnière évader partir. Je crois que, honnêtement, je crois que ça, y a pas vraiment de problème à les. À faire l'un ou l'autre. Je crois que ça résout rien. Mais on peut. Après, on peut la recruter. Mais bon, recruter, c'est pas vraiment très intéressant. Recruter des prisonniers, ils ont pas des traits très intéressants. On va essayer de la capturer. Ça va être un peu relou, mais. Je vais voir un peu. Comment on va la capturer? Lancer de couteau empoisonné. On va devoir l'empoisonner et tout en fait.
Ok. Je fais jusqu'à combien de dégâts? Si tu fais un crit, en fait, tu la tues. Toi aussi, je vois pas pourquoi tu fais que 16. Hein. Non, non, mais y a des conneries. Hein. Il faudrait que quelqu'un se mette devant, mais qu'il n'y a pas riposte, qui va pas la couper en 4. protection. Il n'y a pas provocation. Provocation. Force, il va s'engager, lui applique à faiblement. Ouais, mais non, mais si je m'engage avec Diolan, il va la démonter. Quand elle va taper. Il n'y a personne d'autre qui a provocation en fait. Elle va pas jouer en dernier quand même. Putain, joue en dernier quoi. Je peux pas l'engager en fait. Sans lui couper la couper en rondelle. Voilà, très bien. Ouais, je peux pas l'engager sans la couper en rondelle. Donc faut faire un truc quoi. Tyrannique. On va remonter. Bonjour. We reward anyone. Attends, si je te parle. I just don't understand. We is intact and the remaining scoundrels. Donc ils étaient 6, il y en a un qui reste, donc ça fait 5. Et avec elle qu'on vient de ramener, ça fait 4. 70. On peut voir un peu ce qu'elle avait. Oui, de toute façon, c'était rien d'intéressant. Looks like this scoundrel deserves his place here. Voilà. I just don't understand. The lock is intact. Les voix sont vachement bien dans le jeu. Pour l'instant, j'ai aucun. Honnêtement, en plus, c'est anglais et tout ça. Il y a certains avec certains accents et tout, donc ça fait comme s'ils venaient d'une autre contrée et tout. Honnêtement, j'ai rien à dire pour le moment pour les voix. Hein. Parce que des fois, il y a des jeux où c'est très bof et tout. Là, il y a strictement rien à dire pour le moment. Sortir par là, du coup, on est là. Là, on a un petit camp. Massacre. Ouh, t'es haut niveau toi, la vache. T'es grave haut niveau. Attends. Alors, les dégâts sont augmentés 50% si l'unité est engagée. Simple de cette masse suffit à donner les sueurs froides aux contrebandiers. En tout cas, ce que prétend les mercenaires de fraternité. C'est pas mal ça. Les dégâts sont augmentés à de 50% si cette unité est engagée. Donc en fait, faut taper quand elle est pas engagée. Quand elle est déjà engagée avec quelqu'un. Ah putain. Ah oui, requiert niveau 6. Oui, d'accord, je comprends pourquoi. Bon, ça va on va sûrement la vendre du coup. Alors, Tarus. Tarus, fais voir un peu ton critique. T'es à 42%. Je crois que 42% c'est quand même déjà bien. Et en plus t'as pas fini ça, donc tu vas sûrement encore augmenter. Donc je crois qu'on va aller pour la Dex, ça augmentera les dégâts. Ça augmentera tes dégâts qui sont complètement débiles. Déjà. Ils sont complètement absurdes. Ingran.
On va augmenter la dex. Là, j'augmenterai bien la volonté. J'avoue. Prochain point, volonté plus 2, critique 1. Critique 35%. Ah, j'ai peut-être envie de lui mettre de la volonté. Alors, permet de renforcer le moral de la troupe pendant les combats, augmente également le critique. 15 points, le point. Ouais, on va faire ça. C'est vrai que d'avoir un bon moral aussi, comme j'ai dit, ça aide pour la barre en haut là. Ouais, on va essayer de faire quand même 15 à tout le monde. Quand il propose genre 2 points, on va potentiellement les mettre à chaque fois. Moi, je suis toujours bloqué avec ce con là qui est dans notre troupe. Là. Parce que je sais plus où il est, l'endroit du le rendez-vous. Là. Je pense qu'il faut continuer par là. La Syrie, on l'a vu, hein, c'est où les gens voulaient pas parler. On va essayer de les attraper. Tour de la sentinelle. Je fais gaffe dans les forêts parce que si jamais il y a... Jamais il y a des... Ah, le camp tracker. Non, ici, il n'y a pas de garde, en fait. Ça marche bien, le moins 25% de fatigue. Là. Elle, on continue à lui augmenter bûcheron. Et après, on augmentera l'autre. Sa copine, là. Ce bûcheron, c'est une très très bonne classe pour ce qui est force critique. I wasn't ready for my first encounter with the ghost pack. Not only did I nearly die, but I also became a burden for my colleagues. Wow, c'est cool. Putain, ça tue des... Ça aussi, c'est nouveau. Projectile de qualité, dégâts des attaques de tir. Ah, je sais pas si c'est nouveau. Augmente le maximum de terreur que peut subir un compagnon de 1. C'est pas mal. Renfort du chasseur, renfort du tracker, ça aussi il faudrait qu'on les prenne. Je suis en train de me dire, on a combien de... Parce qu'on en a pas mal quand même, ouais, 338. Ouais, on les achète. On les achète, ça on peut les apprendre, on les voler et les apprendre à la limite. C'est pas très grave. Mais les autres objets, non, il m'en faut pour que je crafte. Si on veut crafter les nouvelles armures, il va falloir le... No one is safe from the ghost pack. Not even in the most sheltered and peaceful regions like Vertruz. Même les personnages sont super bien faits, je trouve. Les modèles sont c'est super bien modélisé, en fait. C'est super, tout est bien, en fait, dans le jeu. Mais ouais, il nous faut du cuir blanc. You can join the hunt if you wish, but be warned. We're not tracking regular game. This is the ghost pack. These creatures only appear in the dead of night. They spring out of the mist and bring terror and misery to all who cross their path. This indicates where the freshest traces of the pack are. You will have to go up the whole trail to fight it. In that case, I wish you good luck. You'll need it. Dimash. War paints are more than mere decorations, but foreigners cannot understand their true significance. All of these trackers have been initiated in our ways by a druid in the Tools Glade in Ludern. On le verra plus tard, le druide. Enfin, ouais, pas mal de temps. Pour récupérer le piège, mais on va pas le faire. Est-ce qu'on a d'autres? Ok, très bien.
jeune. Ok. Ouais, non, mais il faut absolument qu'on aille farmer pour l'équipement. Enfin, après, je peux... Honnêtement, je pense qu'on peut se débrouiller comme ça, mais... Autant bien faire les choses et avoir du bon équipement. Oh, putain de merde. Sans déconner. Ouf, 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 ouf. Ça va être marrant, tiens. Si c'est la garde. Je sais pas si c'est la garde. La garde peut nous attaquer pendant qu'on dort. Je sais pas ça. Ok, trop bien. On en a 10. On en a que 10. Il nous en faut un paquet, hein. Bon bah c'est bien. Ça va, ils sont partis. Maniaque. Jeg a déployé le trait maniaque. C'est quoi maniaque? Ça, on va le vendre, tout ça va mettre trop de temps. Ça, on s'en fout. Maniaque. Depuis quand ils prennent des traits comme ça, les gens? Jeg. Volonté réduite de 5 tant que son équipement n'est pas réparé. Oh non, putain, c'est vrai que j'avais oublié ça. Ah, oh, ça c'est pute ça. Ça, j'avoue que c'est très très embêtant. C'est pour ça qu'il faut pas les laisser avec les armures abîmées, je crois. Oh la vache! Oh le mec, quoi, on peut le jeter presque. Je crois qu'on peut quasiment le jeter, le mec. Enfin, après la volonté, voilà, c'est ce que c'est, hein, mais bon. J'avoue que c'est chiant. J'avoue que c'est chiant. En plus, tu viens juste de rejoindre la troupe et c'est ce que tu débloques, quoi. C'est ouf quand même. Ah, je suis un peu déçu, là. Parce que le problème, c'est que je crois que si son armure s'abîme, même pendant les combats, je crois qu'il perd la volonté. Putain de merde. Ça m'embête. Et comme j'ai dit, possible que ces gens-là, on les vire à un certain moment. Draperie. Si vraiment ils sont mauvais, de toute façon, on les virera. Hein. De toute façon, qu'on a beaucoup de gens dans une équipe. Il y en a toujours quelques-uns qui sont très très bons et après le reste ils suivent un peu quoi. Donc juste là pour, on va dire, consolider l'équipe, mais... voilà quoi, le cœur de l'équipe c'est pas eux quoi. Le cœur de l'équipe c'est pas Jeg. Putain, ça me fait quand même chier parce que là ça pourrit vraiment bien le perso. Hein. Et la volonté c'est... C'est bien pour... Putain, il faut décrocher. C'est pas bien que pour... la volonté lui-même. J'espère que j'ai des... Oui, non, ça va, j'ai des méthodes.
Genre, s'il a moins de 15 et tout, il peut mourir. Enfin bref, ça c'est pas vraiment grave à la limite. Mais le problème, c'est que la barre au-dessus, là, c'est affecté. Du coup, c'est emmerdant. La barre de combat, elle est affectée par ça. Il est horrible, ce coffre. Putain. Why me? Why today, when I thought my wealth made? Why must fate punish me so? 5 years I spent on this tapestry. This masterpiece was supposed to make me famous throughout Gosenberg. A lifetime's work gone overnight. Oh. The guard told me to stop looking. They said my tapestry was long gone across the border, likely never to be seen again. I am left with nothing. Je crois que la tapisserie, c'est les bandits qui sont dans le... Ah, la zone qui était défendue au tout début, là, la zone des esclaves. Qu'on a vu quand on est rentré dans la région. We are drapers. If you wish to buy fabric, I can assure you, ours is of the finest quality. Depuis tapisserie personnalise le givre sous la forme d'un gigantesque oiseau. Je sais pas si c'est utile d'acheter ça, je pense pas. Tiens. Très bien. On a 2 points. Donc nous on avait dit ça et on avait dit... C'est quoi ça ? Ah, c'est des armes de main gauche. Faudrait prendre la targe améliorée aussi peut-être, je pense. On prenne le niveau 2 pour débloquer le niveau 4. Non, attends. 2, 3, 4. Ah oui, c'est par apprenti, ok. Ouais, il nous faut 2, il nous faut ça si on veut faire des armes de fantômes. On va garder les points encore pour le moment, je pense. Je sais pas si l'orientation débloque des choses, je crois pas. Mais bon, faut que je teste à des moments quand même. Alors, l'orientation, ça permet de faire ça, en fait, de mettre des marqueurs. Donc du coup, on a besoin de moins regarder la carte. Ça me rend fou que l'autre il a eu ça. Ah, je crois que c'est là l'embuscade. Plan de jongleur. Ah, je vais pas m'en remettre, hein, l'autre qui est devenu maniaque. Hein. Je vais pas m'en remettre. Tout simplement pas m'en remettre. Moins qu'un animal ne soit capable de manipuler un crochet, c'est bien un humain qui a forcé cette serrure. I tame wild animals for a living, but without a wild animal to tame, I am nothing. It took me years to perfect this wolf skills. I taught him everything.
to sit up and beg, to walk on embers, and even to fish. If you ever come across my partner, bring him back to me. You can't miss him. He's quite large and wears a collar. If we don't find the damn wolf, we'll miss the arena clash. This tournament is only held once a year. Okay. How could this animal open its cage unnoticed in the dead of night? Ouais, il y a une histoire où il faut ramener un loup. If you ever come across my partner. Je crois que c'est un alpha. Je sais pas, je crois qu'on peut le garder, mais je crois qu'on est obligé de lui donner pour compléter la quête. Oh putain, c'est la garde. Bon après, le pointeur, il n'aide pas vraiment. Honnêtement, l'orientation, elle est pas très très intéressante au final. Parce que quand on passe dessus, elle disparaît pas. Le point il disparaît pas, le marqueur. Donc du coup, c'est pas vraiment intéressant. Ça me pousse de toute façon à aller sur la carte. C'est un peu con. Alors le bourg... C'est là. Examinez. Hop là. Don't move, apothec. Wait. Who are you? The apprentice was meant to be alone. On va vous casser la gueule. Ouh, ils sont nombreux. Et avec l'autre qui est... maniaque. 8, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont acharnement, critique contre les cibles engagées au bon de 50%. Fou la vache. Putain. Là on a deux archers qui font chier. Alors attends. Ok, ça c'est pas mal. Je dirais pas non d'envoyer quelqu'un là, mais c'est chaud. L'oral peut peut-être y aller. Fais voir, l'oral, elle va pas pouvoir y aller. Non. Comme ça. Ok, ça c'est le chef. Non, c'est un Akeri. Le chef, il est là. On va peut-être repousser. Très bien. Ouf, pas mal. Bien. Peut faire mal. Oh oui, tu vas avoir fureur en plus.
Oh là là, oh que ça va faire mal. Putain. On aurait dû peut-être commencer avec ça à la limite. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh la vache! Pourquoi tu contres toi? What? Pourquoi il y a des points d'interrogation? What the fuck? Après avoir subi une attaque de la part de son adversaire engagé, réplique avec une attaque d'opportunité. What the fuck? Puissance revers, après avoir subi une attaque de la part de son... Okay. C'est le bouclier qui donne ça. Est-ce que c'est parce qu'on le connaît pas ou que... Je comprends pas pourquoi c'est... Je comprends pas pourquoi c'est un point d'interrogation en fait. Oh la vache. C'est un combat de... contre. Coup de bouclier, un fils 5 dégâts... Putain mais ça... C'est ouf. Wow, ok, d'accord, ouais, faut faire gaffe. Ouais, faut faire un peu gaffe. Intéressant. Vache. Se faire lui. Ah, l'autre elle devrait résister. De toute façon, Tarus va le défoncer. Oh merde. À chaque fois il contre, c'est ouf quand même. Ah ouais, ils sont méga violents quand même. Pas faire de. Oh merde. Me tue pas mon truc, hein.
Oh la vache. Ok, très bien. Ça prendra, salope. Il va taper ou pas? Parce que maintenant ils me font peur. Donc critique applique affaiblissement pendant un tour. Ça, coup de bouclier. Applique fragilité pendant un tour. Okay. Ça c'est critique. Ok, ça marche. On a 94 de dégâts. Pas mal. Ouh, on a du matos. Attends, on a du matos. On a écu d'Alazar. C'est de l'équipement d'Alazar. Oh la vache. Alors, frappe déconcertante. Masse à ailette colossale. Applique déstabilisation pendant un tour si c'est de la critique. Ok. Déstabilisation, c'est garde réduite. Ok. Maintenant, écu d'Alazar. Frappé de l'emblème d'Alazar et peint aux couleurs du roi. Cet écu est reconnaissable dans les 5 royaumes. Garde, armure et compétences puissants revers. Après avoir subi une attaque de la part de son adversaire engagé. Réplique avec une attaque d'opportunité. Les attaques d'opportunité ne veulent pas déclencher cet effet. Et là, on a coup de bouclier. Dégâts de la cible et lui implique fragilité. C'est tout nouveau, ces boucliers. Par contre, puissant revers, bah, du coup, c'est pas intéressant pour moi parce qu'ils ont déjà la contre-attaque. Parce qu'en gros, c'est si jamais on se fait attaquer en premier, c'est intéressant. Ça, c'est classe. Ah merde, c'est une grosse masse. Bon, là c'est déjà ça. C'est quoi, tir debout? Ah oui, l'arc d'Alazar, ok. Putain, c'est bien l'équipement d'Alazar, c'est ouf. Incroyable. Fais voir si on n'a pas un meilleur arc. Ah, ça c'est mieux. Voilà, ça c'est nettement mieux. Très bien. Celui-là, j'ai envie de le garder. Juste au cas où. Bon, par contre, je sais pas quoi faire avec ces boucliers. Je les trouve vachement sympas. Mais on a... Ah, si elle... Elle a pas... Et je crois qu'elle aura pas riposte, elle. Non, eux ils ont pas riposte, donc à la limite, j'avoue que ça peut être intéressant. Voir celui-là aussi, il est joli celui-là. Fragilité pendant un round, dégâts subis augmentent de 30%. Puis c'est une attaque en plus, quoi, c'est intéressant. Ah mais attends, il est mieux en plus. Let's go, il est mieux. Oui, j'avoue que celui-là est plus intéressant, mais ça donne, en gros, ça donne contre en fait, tout simplement. Ça donne contre. Ça donne la riposte.
Donc mettre la riposte à eux, c'est complètement con parce qu'ils ont déjà contre-attaque. Genre à lui ça sert à rien. Elle, elle a une épée à deux mains, elle marche très bien l'épée à deux mains. Lui il fait très mal, c'est bien. Oh, il y a tellement de choix maintenant, il y a tellement de choix. Mais ouais, j'ai un peu peur parce que honnêtement, on est assez fragile. Je me rends compte que maintenant, les mecs sont vraiment vénères en fait. Eux, ils nous ont vraiment fait mal par contre. Ils nous ont vraiment fait très très mal. Ça, on vendra ça aussi. Il n'y a que l'arc que je vais garder, je crois. On va voir les matériaux qu'on a. Ça descend vite maintenant, ça descend super vite. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Beast's fans. What is going on? Who are these men? Why were they here where I was supposed to meet my uncle? Could he be in danger? All I could find on them was this key. We must figure out what it opens. Tu peux rentrer chez toi? Attends, du coup, non, il est toujours avec nous. Toujours avec nous. Toujours avec nous, le bougre. Faut qu'on finisse son histoire, comme ça on peut arrêter d'être persécuté par le monsieur qui mange. Qui mange avec nous. Non, le démantèlement. On va faire cuire brut. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut avoir un atelier augmenté? Comme ça on a... On peut. Vous pouvez démanteler toutes les armes, armures, accessoires pour obtenir ce qu'il y a de 2 et des ressources. Ok, ça marche. Place-toi. Très bien. Alors, est-ce que ça vaut le coup maintenant le démantèlement? Ça va pas vraiment changer en fait. Nécessite au moins 4 objets, ça marche. L'arc, on va le garder. Du coup, on démantèle ça, je pense. On va voir un peu. 4, 5, 4, 2. Ouais, ça va, sympa. Pas mal, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et nous, on a une clé dorée, clé est précieuse, mais sans doute moins que le trésor qu'elle scelle. Pas mal. Ah, il nous faut. Il est, je crois qu'il est végétarien le mec avec nous en plus. Super. Le mec chiant quoi. Ok, très bien. Ah ben, les brutes là, j'ai envie de les virer quoi. Ulal. Ulal aussi, j'ai envie de le virer. Parfois, j'aimerais qu'on s'arrête dans une région et qu'on ne bouge plus, non? Boudeur. Suggéré par Jeg. Célébré. Ouais, pour l'instant, mon équipe, j'aime bien. Mais j'avoue qu'il y a des points faibles. Genre, bon, les persos principaux, je vais pas les compter. Elle, elle est vachement sympa. Au final, elle marche bien pour le moment. Je suis assez même surpris. Migue, elle marche très bien aussi. Drakkart, bof. Ulal. Ulal, bah, il fait mal en fait. Mais c'est vrai que, bon. Ça, c'est pas intéressant ça. Pilak, toi t'es bon. Arnus, toi t'es bon. Méné, tu.
t'es devenu ok. C'est juste que t'es un peu bizarre en fait. T'es pas vraiment fait comme on devrait. Je crois que Méné, lui, va devenir force et on va lui augmenter beaucoup la force. Et en théorie, il pourrait devenir un très gros tank. Je crois. Avec une masse légendaire, enfin une masse d'armes comme ça, là, violette. Donc lui, il va en théorie devenir très bon si on le garde. Parce que honnêtement, il est pas mal. Toi, tu m'as très déçu, toi. Toi, tu m'as très déçu. Très déçu. J'ai envie de te parler. Allez, on avance. On a encore 1300 et quelques. On va utiliser ça. Alors, motivation débordante. Est-ce qu'on a des nouveaux trucs? Je sais pas, je pense pas. Nouveaux dessins et tout ça. L'écurie. Do you need a new mount, or have one that needs tending to? You haven't seen two stable boys on your way here by any chance? They've been gone for a while, and I'm starting to worry. Oh. They are decent lads, but not the sharpest tools in the box. I am concerned they took the minstrel's story a bit too seriously. Ça, je suis sûr que, vu que les devs, c'est des Français, je suis sûr qu'ils étaient fans de Kaamelott. Je crois que c'est une référence à Yvain et Gauvin. And I did warn them of the dangers of Brown Rock Mine. Les mines de roche brune. I entertain my hosts with tales and fables in exchange for a hot meal. I recently told the story of the Grotal, a beast that hides in the mountains and plays nasty tricks on farmers. The stable boys in particular seemed to enjoy it. Je suis sûr que c'est un clin d'œil à Yvain et Gauvin de Kaamelott. Oh putain. En tout cas, je voudrais, avant de finir cet épisode, je voudrais qu'on arrive à finir l'histoire avec Lod, là, qui est dans notre groupe, là, tout le temps. Et après, on se casse. Après, on arrête. Et moi, je crois que je vais aller farmer de mon côté. Je vais peut-être farmer pendant longtemps. Mais je vais être franc, je voudrais absolument avoir le nouvel équipement, en fait. L'équipement fantôme. On va pas les combattre maintenant, parce que ça va me prendre 3 heures. Oh putain, il y a des loups en plus. Ouais, parce que je vais devoir les combattre. Mais je vais peut-être les combattre ici. Ils doivent sûrement donner pas mal de cuir. Mais ouais, il faut que je le fasse. J'ai vraiment envie de le faire. Et en plus, ça va nous améliorer la survie. Mais surtout... Ben voilà, comme j'ai dit, vu que les... Putain, j'arrive pas. C'est bon ? Ok. Vu que l'équipement maintenant de craft est tellement bon, ça va être bien, ça va être vraiment bien de faire ça. Mais ça va demander honnêtement quelques heures de jeu. Parce qu'il faut farmer donc du coup le cuir blanc, après le reste des objets, mais je pense que j'ai assez. Mais il n'y a pas que ça après, parce que si on a des emplacements pour des renforts, honnêtement il faudra aller débloquer les renforts aussi. Il faudrait crafter des renforts. Alors, le maître forgeron. Be careful if you go into the hills south of here.
I heard farmers mention plagued rats. Ça marche, on a déjà tué, y a pas de problème. Six pour l'une. Je les ferai après, de toute façon, je vais pas les faire maintenant. Parce que je vais peut-être reposer et tout ça, je vais décider laquelle faire et tout. Oh yes. Might she be looking for work? Our role as emissaries is to ensure that all service requests are fulfilled. C'est vrai que il y a deux endroits, ouais. Des rumeurs évoquent qu'un tombeau des anciens inexplorés se trouve dans la région. Ça aussi, il faudra le prendre. Le vieux porcheur, le paysan à la recherche de son beau-père disparu, suivi de chercher du bois dans la montagne. Car persuadé que tu feras se taire au repère des brigands. Fatalité souhaite l'élimination de l'escouade. Ok, ça marche. Je peux prendre des trucs qui sont faciles pour le moment. Ouais, c'est pas très loin. Oh, ça a été baissé à 222. Peut-être pas les faire maintenant, on verra plus tard. Solitaire et chapardeur. This inn is mostly a rest stop for travelers on their way to Marheim. Critique augmentée de 10%. Most people only stay for one night. Putain, c'est trop bien ça. Poulet, chou et sel. Ah, en plus c'est en vert, c'est moins cher. Normalement c'est 100, mais là ça le vend pour 80. Vas-y, bon. Prends. The other day, a woman with an Edoranian accent bought enough supplies to last several days. I wonder where she lives. Ok. Alors toi, confiance au mélour. Malin, les ronfleurs. Oh, c'est bon, on se casse. Demeure des Alazar. Où on doit aller là? Découvrez où va qu'il ramasse le rendez-vous. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut couper? Okay. Faut que j'aille chasser les sangliers aussi. Je crois que ça va durer un moment, j'ai peur que ça dure très longtemps en fait. Ancien manoir. Je me rappelle plus vraiment. Ouh, ça a l'air peut-être d'être nouveau ça. Quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Utiliser la clé dorée, c'est bon, on l'a trouvé. Yes, nickel. Ça change. Voilà. Ok, c'est bon. Wait, are you sure you want to go down? What if it is another trap? Descendre quand même. What took you so long? Was it that difficult to capture a mere apprentice? Oh! Who are you? Where are my men? Tous morts. Niveau 7. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je sais pas si on combat ou on revient plus tard. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Quoique, non. Quoi, 6. Ça va aller. Ça va aller. on va faire ça. On va faire ça stratégiquement. Soldats inconnus, tant que les unités n'ont pas de garde, leur attaque a plus de vulnérabilité. Ok. Hmm.
beaucoup de vie. Faut bien jouer. Très très bien joué. Oh la vache, j'ai failli t'oublier. Ok, ça marche. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On va devoir faire stratégie. On va laisser les autres. Par contre, du coup, il faut les archers. Arnus, Ingra. Tiens du chef. Tarus, tu vas te mettre là. Ça va être un bon défi là-bas. L'archer fait chier. T'as quoi? Putain de toi quoi. Ouais, c'est bon. C'est le piège. Il y a lui qui va nous faire chier, pardon. On chope le... On chope l'archer.
mal. Là, on va l'aider. Ça. Faut que je m'avance pour la dague. Pas mal. C'est quoi que t'as, toi? Oh, c'est l'attaque! Oh putain, c'est l'attaque. C'est le contre. Là, tu fais mal en plus, hein. Très bien, affaiblissement. Pas mal. Ah, du coup, riposte et ça, ça marche. D'accord, donc on peut mettre ça à nos tanks, en fait, à nos épéistes. D'accord, je savais pas. Donc, on tape deux fois, en fait. Intéressant. Alors, Laura, tu vas... Faut que je regarde ce qu'ils ont comme attaque aussi. Les eux là. Ah, c'est la boue. Okay.
coup, c'est la boue. J'aimerais bien leur mettre du feu, mais on peut pas tout avoir. Ok, on a du saignement, c'est très bien. Là, il n'y a pas de boue, je crois. Enfin, ils essayent de déborder comme ça. Bon, toi, t'as encore combien de tirs? Je sais pas trop. Ça, tu devrais être bon. Voilà, très bien. Et maintenant, on va te tuer. Qu'est-ce qu'on peut faire jouer là? Si on l'attrape, est-ce que... Est-ce qu'on aurait un mec niveau 7 avec nous? Mais j'imagine qu'il n'a pas d'habilité. Ouais, j'imagine que ça va pas être utile en fait. Il n'a pas de classe. Qui c'est qui pourrait nous donner... Qui c'est qui nous pourrait nous donner des... Quel... Très bien. Ouf. Oh la vache, tu fais mal. Mal, mais maintenant vous êtes dans la même merde que nous. Enfin, ça revient en même. Très bien. Très bien, très bien.
nous faudrait... Lula, il a joué... son mélancier. Là, Drakkar. Pas mal. Toi, va falloir... Non ? Oh putain d'abruti. On va perdre notre sanglier parce que c'est un abruti le sanglier. De la boue là en fait. On peut voir la boue. On fait quoi la boue? On se met là. Là c'est bien cet arc. Très joli. Il faut l'aura pour booster notre vitesse. Oh mon dieu. Aïe 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 aïe, sanglier de merde. Hop. Très bien. Bon, là, vu que du coup il l'a engagé, on peut faire ça. Là. C'est vrai que reset le mouvement, ça pourrait aider là. Trois mouvements. Faire gaffe parce que toi t'as plus trop de vie. C'est bien de pouvoir contrôler le champ de bataille comme ça. Enfin, t'es dans la boue, quoi. On va se mettre là. Qu'est-ce qu'on a à distance? Je
peux te mettre un coup de torche, ça te foutra le feu en plus. Tu saignes, t'as le poison et tu vas avoir le feu. Et on fait ça pour être sûr d'être à l'abri. Ah putain, je peux plus passer. Fais chier, je peux plus passer. Merde. ...79 de dégâts, pas mal hein. Nickel. Alors on a récupéré encore un truc, on a précision défensive, c'est quoi ça? Critique gagne déviation, inconscient de la hallebarde de Alazar a demandé la coopération étroite d'un érudit et d'un forgeron. Pas mal. Pas mal du tout même. Tu viens de monter niveau 5. Nous on a ça, les dégâts augmentés, donc elle on peut peut-être changer. À la fin du tour, si l'unité perd 10% de vie, mais comme fur non. Dégâts augmentés de 50% contre les unités ayant 30% ou moins de santé. Ah oui, ça peut être bien la folie. Pour elle surtout. Parce que si elle a une attaque qui touche plusieurs fois, ça va trigger des fois sur le coup d'après en fait si ça descend à un certain seuil. Ça peut être intéressant. Ah, c'est niveau 6, merde, on va le garder de côté ça. Eh ben, mais bon, vous avez vu la différence quand on... Quand on peut gérer le champ de bataille. Vous avez vu comment ça fonctionne. He was my uncle. He is dead. Avec la boue surtout. How can this be? Why would anyone murder an apothecary? And who would go to all that trouble to try and kill me too? Go on without me. I can't possibly leave him like this. Thank you for bringing me here so I could learn of his fate. Très bien, on a commencé une morceau d'histoire. Ouais, j'avoue que le coup de la boue est plus intéressant. Oh putain. L'arc de la boue est plus intéressant pour des choses comme ça. Ça marche extrêmement bien en fait. C'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est ralentir les gens et tout ça. C'est ralentir les gens et tout ça. Moi, je le faisais au feu avant. Quand je jouais comme ça, genre je devais canaliser un certain nombre d'ennemis. Et on devait... on devait les tuer petit à petit tout en restant à portée. Ben, il fallait quand même que je les bloque en fait avec quelque chose. Donc que ce soit un animal avec énormément de PV comme un ours. Ou alors un tank qui et qu'on supporte tout le long. Mais c'est dangereux parce que du coup... une fois qu'on a plus d'armure, on a plus d'armure quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très très dangereux. Mais là c'est beaucoup plus simple en fait avec la boue. Nettement plus simple. On a eu aussi ça, donc ça c'est... Alors ça c'est plus facile à faire, parce que normalement il y a des iris dedans, donc ça c'est un remède qui marche à 100%. Ça je crois que c'est un remède qui marche à 50%, mais du coup il est plus facile à faire. Donc ouais, c'est marrant. C'était un des gros combats
Le premier gros vraiment combat difficile qu'on a fait. Donc, je suis très content, c'est bien passé. On va s'arrêter là. Parce que là, ça va faire 2h30 l'épisode. Désolé, je pensais pas que le combat allait être aussi si puissant. Bah du coup, ouais, les archers ont beaucoup aidé. Ingrain Arnus, là, tout ça. Elle fait très mal avec son arc, donc on a bien fait de faire un arc fantôme, donc ça a bien marché. Lui, il a beaucoup aidé avec le tir debout. Lui, il va peut-être rester comme ça, en fait. Genre, en plus, c'est AOE, donc s'il fait du saignement, s'il fait du crit, il saigne. Puis ça repousse. Ça fait bouger, donc du coup, ça peut trigger son attaque à Ingrain. Ça met ralentissement. Après, on aurait pu mettre genre deux tirailleurs. Est-ce que ça aurait été plus ou moins la même chose? Bah oui et non, parce que ça, en fait, ralentissement plus la boue, c'est vachement puissant. Et surtout, ça pousse. Et deux barrages, c'est quand même 4 à chaque fois. Et là, les ennemis, ils avaient beaucoup de vie. Donc, c'est pas comme si elle les tuait d'affilée, Ingrain, pour récupérer des points de bravoure. Donc, je pense qu'un mix des deux, c'était vraiment très bien. Ouais, c'était vraiment... Lui, il me rend fou d'avoir maniaque. Il me rend complètement cinglé d'avoir maniaque. C'est vrai que c'est pas un tank. Les deux, je suis très déçu, là, des brutes, là. Sinon après le reste fonctionne très bien pour le moment. Elle fait très mal. Elle a failli crever à un moment parce que chaque coup de hache, l'autre il contrait. C'était super chaud. Le mur, bon du coup il a un nouveau bouclier, je suis très content. Elle aussi elle marche très bien, mais il faut lui améliorer l'armure si on veut continuer à la mettre à une épée. Les lanciers ont bien fonctionné. On n'a pas pu trop utiliser le mur, mais... Mais ouais, faut l'augmenter. Ça c'est bien, le jet perforant. Lui il fait très mal, avec la frénésie, le poison qui... Ouais honnêtement, lui je suis content. On va vraiment le garder en égorgeur. J'ai jamais vraiment utilisé égorgeur. Les gens utilisent plutôt l'autre qu'on va débloquer. Avec moi, c'est ce que j'ai fait aussi en Early Access. Mais je suis très heureux en fait de l'égorgeur pour le moment. Ça marche très bien. Le poison, c'est très utile. En plus, ça va sur les autres cibles si elles sont adjacentes. Non, c'est très très bon. Et je crois qu'après, on fera dégâts, attaque dans le dos, compte de 20%. Ça, c'est pas mal. Après, on a quoi ? Aveugle, c'est pas vraiment intéressant. Et après on a le gaz explosif, ça c'est pas intéressant. Et aussi la variante avec Philacte. Entre les bombes et le poison. Nickel, absolument nickel. Par contre, faut que je fasse gaffe, je commence à pute. Ouais, 45. Matériaux bruts. Ouais, la fiole de poison marche très bien, comme j'ai dit, hein. Sur les ennemis, ça marche très très bien. Coup critique, si jamais ils sont déjà empoisonnés et tout ça. Le lancer réflexe, pour l'instant, ça a bien marché. Mais je crois qu'il y a mieux. Je crois qu'il y a mieux à faire. Faudra débloquer l'autre. Je crois qu'on peut mettre autre chose que ça. Après, ça permet de bien se déplacer aussi. D'avancer et reculer. Parce que ça va reset. Si jamais on augmente ça, le lancer... Ça va reset en fait ses déplacements à chaque fois. Ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. De jouer empoisonneur avec ça. Mais on verra après. Mais ouais. Très très bon. Je suis super content de mon équipe. Elle a bien bossé. Il y a que ces deux cons. Il y a que ces deux. Je suis pas très vendu pour le moment. Jeg et Menette là. Je suis pas très très vendu. Menette à la limite je pense qu'il va pouvoir être bien plus tard. C'est tout. Et courageux. Ouais, je pense qu'il va être bien plus tard, mais Jag, Jag avec Maniac, ça m'a tué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vais sûrement farmer un peu de mon côté, histoire d'avoir toutes les armes niveau 5 là, au moins. Parce que si on combat encore des mecs aussi puissants,
Mais honnêtement, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cet équipement avant. Ça n'existait pas. Et surtout, il n'y avait pas avec des habilités sur les boucliers, il y avait des passifs sur les boucliers. Bon, là, c'est un passif, par exemple, mais je veux dire que des fois, il y a des passifs, des fois, même maintenant, il y a des actifs. Genre là, c'est un coup de bouclier, carrément, c'est un shieldbash, quoi. Moi, le seul bouclier que j'avais qui était assez intéressant, qui ressemblait un peu à ça aussi, c'était diminue les flèches, les dégâts des arcs de 90%, des flèches de 90%. C'est tout. Il n'y avait que ça que vraiment je crois qu'il y avait un bouclier spécial. Donc là c'est abusé. Ça il faudra le tester aussi. Albarde d'Alazar. Mais bon, je suis content. J'ai montré que mon équipe. Enfin que la stratégie en fait fonctionnait très bien. Ouais, je suis très très content de ça. Là on a bien montré que la stratégie était très très bonne. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.